Real de Madrid, Manchester City. C'est un choc dont tout le monde en parle, les gars. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler un tout petit peu de ce choc entre le Real de Madrid et Manchester City, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici, on parle de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, Real de Madrid, Manchester City. C'est un choc qui fait saliver, les gars. Un choc incroyable. Le choc des titans. Une finale avant l'heure. Une finale avant l'heure, les gars. Donc, au match aller, le Real va recevoir. Et ça, c'est très important. Le Real va recevoir. Si tu vas recevoir au match retour. Donc, match aller, si tu joues à l'extérieur, match retour, ils vont recevoir. Et lorsqu'on sait que le Real a fait tous ces remontadas, la saison passée à domicile, mais que cette saison, c'est plutôt eux qui vont commencer au match aller chez eux. Pour moi, c'est un indice à ne pas négliger. C'est un indice à ne pas négliger. Donc, sur l'ensemble, franchement, en termes de vécu, moi, je vois le Real favori. En termes de vécu, mais si on juge sur l'instant présent, sur le jeu, sur la forme du moment, je trouve que si tu es plus en forme et plus équilibré que le Real de Madrid, quand tu as peut-être un Erling Haaland, les gars, quand tu as Erling Haaland, franchement, ce mec qui peut détruire quasiment toutes les défenses du monde. Donc, dans l'ensemble, non, moi, je vois petit avantage pour Manchester City. Léger avantage, très léger même. Peut-être je partirai sur du 48-52. 48 pour le Real, 52 pour Manchester City en termes de pourcentage. Donc, voilà ce que je voulais partager avec toi. Donne-moi ton retour en commentaire. Est-ce que tu penses que le Real est favori? Est-ce que tu penses que City est favori? Partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao, ciao!